Hop, pardon, bonjour. Bonjour, bonjour. On est avec les copains, vous pouvez parler. Peur. Peur. Bonjour. Bonjour. Hein? Hein? Bonjour. Hein? Hein? Bonjour Hein? tout le monde. Tac, tac, tac. Je vais remercier tout le monde pour les subs, etc. Juste après. Simplement, du coup, on est là pour réagir au direct. S'il y a un quelconque problème de son, vous n'hésitez surtout pas à me le dire. Et je vais présenter tout le monde. On est avec. Je vais commencer par le haut sur le côté. On est avec Alex. Bonjour Alex. Coucou. Coucou. Voilà, c'est Alex. S'il y a des problèmes avec le son d'Alex, n'hésitez pas. On est avec Lune, avec Nalax. Coucou Salut les Nalax. petits potes. Avec Miu. Miaou. Et avec Yo-Yo. Salut Yoren. Bonjour. Salut, salut. Enchanté. Non, mais voilà. Enchanté. Ouais, vous avez jamais vu Yoyoto. Alex, peut-être. Je Sous un sais autre pseudo, pas. peut-être. Peut-être dans le chat. Dans le chat aussi, c'est vrai. Et puis après, Nalax et Mew, vous connaissez. Ça faisait un petit Je crois que moment. Alex n'était pas là dans le React qu'on avait fait il y a genre 4 ans. Si, c'est possible, tu Je vois. crois pas, C'est non. possible, il y a super longtemps. Je crois que si, hein, je sais plus. Peut-être, je sais pas. Pardon, alors attendez. Je sais pas quand remercier pour les subs et tout. Peut-être que j'attendrai après tout ça. Faudra peut-être plus simple. Donc je remercie. Ouais, après le direct, si ça vous va. Mais merci beaucoup déjà. Voilà. Surtout qu'il y a un train de hype, merci énormément. Tac, tac, tac. Je vais remercier Miu maintenant parce qu'elle est en vocal. Merci De rien. Miu. Qu'est-ce que tu fais? Ça s'appelle Non, de donc du coup. l'investissement. Ce direct, je sais pas trop. Enfin, qu'est-ce qu'on sait de ce direct de base? Il dure 40 minutes. Il démarre dans 6 minutes. Et c'est surtout du Pikmin 4. Enfin, le truc central, ça devrait être Pikmin 4. Moi, est-ce que je suis hypé par ça? Pas énormément. Enfin, ça sert pas Pikmin 4, mais voilà. Je sais pas quoi en penser. En fait, du fait que. Je sais pas si c'est un gros direct, en fait. Dans le sens de est-ce qu'il va y avoir des trucs qui ont vraiment un gros impact? Parce que, bon, bah, il y a TOTK qui est déjà sorti. et on est dans le slot habituel du gros direct de l'année, on va dire, vu que normalement c'était le 3 à cette époque-là. Mais dans le même temps, c'est Pikmin 4. Alors, c'est un bon jeu quand même, hein, mais c'est juste pas dans les grosses séries habituellement. Et puis voilà, et puis de toute façon c'est bien quand même. Mais voilà, je sais pas si je suis censé m'attendre à du teasing de Prime 4. Si je suis censé m'attendre à, je sais pas, un autre gros truc, j'en sais rien. En vrai, Voilà, Metroid, voilà. ce serait bien, mais je pense pas qu'on l'aura là. D'un autre côté, est-ce que ce Moi, je serait pense pas qu'on n'aura enfin un rien, en moment, vrai. putain de merde? Ah. Non, mais voilà. Et après, même sur le TOTK, est-ce que c'est maintenant qu'ils annoncent les DLC? Est-ce que c'est pas un peu tôt? S'il y en Non, a. pas de DLC, TOTK maintenant. Ça serait choquant, hein. Je sais Ça pas. fait un mois le jeu est sorti. Je sais pas, je crois que c'était rapide Déjà pour un mois? BOTW. Hein. Me semble. Imagine, genre, ils annoncent Mother 3. Non, mais calmez-vous avec Mother 3. Enfin, je veux bien imaginer, mais genre, dans 1000 ans, peut-être. Déjà, comment oses-tu imaginer? Ils avaient annoncé le DLC de BOTW le premier. Ils avaient annoncé le DLC de BOTW un an avant la sortie du jeu. Bah ouais. Donc en soi, c'est pas impossible. Mais ouais. Pareil, je me disais que. Comment? Non, après, il y a des trucs qu'on un peu leak et tout. Je sais que les sur Fire Emblem, on attend pas mal peut-être un remake, non, rien à voir, de Genealogy of the Holy War, qui est jamais sorti du Japon, si je dis pas de bêtises. Il y avait eu des leaks de ça depuis un moment. Il y a deux, trois trucs comme ça qui sont fort probables, mais c'est juste que, ouais, je sais pas jusqu'à quel point. J'ai pas suivi de très près non plus ce qui se disait, les rumeurs. Mais voilà, je sais pas si vous vous attendez des choses en particulier, outre rien. Ouais, non, j'attends rien, hein, On arrive franchement. un peu comme des branlots, et on Persona! verra ce qu'il y a. J'aimerais bien en soi des nouveaux jeux Mario ou des trucs comme ça, parce que ça date qu'on n'ait pas eu de vrais jeux de ce côté-là, mais je pense pas qu'il y aura quelque chose. Donc, voilà.
Moi, je veux juste qu'ils annoncent que les jeux Persona qui sont censés arriver soient sur Switch. Ah, on pourrait peut-être avoir. Non, je sais plus, c'est quand les dates des DLC Mario Kart, etc. Si, ouais, ça c'est fort probable, Nouvelle t'as raison. course. Ils doivent sortir tous les DLC, toutes les vagues, et si je dis pas de bêtises, il en reste deux, d'ici la fin de l'année, si je dis pas de bêtises. Donc ça ferait un par trimestre, donc pour moi la première est annoncée là, la première Putain, je DV. suis chill aujourd'hui. Waouh! Et puis après, ouais, je me faisais la réflexion aussi de, mais je pense que je suis complètement fou et que j'ai tort. Et même j'y croyais pas. Je me faisais la réflexion de, hey, en vrai, est-ce qu'il n'y a pas genre 10% de chance que c'est le premier teasing de la console suivante? Mais non, je pense que c'est trop tôt encore. Bah, je Enfin, genre, pense elle est peut-être pour. pas. Ça se trouve, elle est pour dans 1 an et demi, mais quand je regarde la Switch, il l'avait montré 6 mois avant, quoi. Et Non, mais le je truc, trouve qu'on c'est a très que très peu de leaks par rapport à si ça devait être maintenant, maintenant, quoi. la Switch, elle est un peu vieille maintenant, mais elle est en pleine forme, quoi. Donc, je pense qu'ils vont pas sortir une nouvelle console maintenant. Moi, ça me paraît Tous les un jeux peu qui étrange sortent, d'en sortir c'est des maintenant. bangers en termes de vente. D'un côté, ça se tient, de l'autre, il y a quand même une perte de vitesse croissante et faut un peu prévoir à l'avance. Et non, mais là où tu as raison, c'est que je les vois mal annoncer ça à un autre moment que après un Noël ou quoi que ce soit, histoire de bien cash sur le dernier Noël où ils n'ont pas annoncé la console suivante, on va dire. Ouais, peut-être Merci tout le pour monde Noël 2024, mais pas mal. pour le train de live. Je vous remercierai tous individuellement après, encore une fois. Moi, ça me ferait chier en tout cas. J'ai pas envie de dépenser pour une nouvelle console maintenant. Oui, non, mais bien sûr, hein, moi non plus, mais voilà. Je dis juste que ça doit arriver un jour, quoi. J'ai pas dit que ça me hypait ou quoi. Même si curieux, mais voilà, sans plus. La Switch était sortie en masse. Oui, mais la sortie de la Switch, c'est vraiment bizarre pour le coup. Donc je sais pas jusqu'à quel point on peut se baser là-dessus pour voir comment. Enfin, pour prédire comment ça se repasserait, on va dire, avec la console suivante. Une Switch deux écrans, comme la DS. C'est juste la DS en fait. Non, mais voilà. Je sais plus. Je crois que j'avais plein d'idées de trucs. Il y a des gens qui pensent qu'il y a le Mario 3D là. Voire même Odyssey 2. Je pense que j'y crois Le pas. Mario 3D, le. Odyssée 2. Je crois que déjà Odyssey 2, j'y crois pas une seule seconde. Que Dieu nous épargne de Odyssée 2. J'ai pas tellement envie d'y croire d'un point de vue personnel, en effet, mais voilà. Même si bon, voilà, c'est pas un mauvais jeu, hein, mais j'ai juste pas envie d'un 2. Et. C'était pas dingue. Oui, non, si, En vrai, c'était j'aimais pas bien les mal. boss dans Odyssée, mais ça veut pas tout. Mais non, mais c'est surtout que, encore une fois, on est vers la fin de la durée de vie de la Switch quand même. Et que je trouve que c'est tard pour un gros Mario 3D en fait. Après, c'est pas impossible, hein, mais ça c'est déjà vu. Techniquement, ils ont sorti Breath of the Wild à la fin de la Wii, ou... Oui, mais en même temps sur la Switch. Putain, ça va commencer en fait. Annonce du On prochain est à 15 Pokémon. secondes, nous. Hop là, pardon. 13, Oui, 12, simple précision que je 10. fais pour le stream. À nouveau, je suis sur YouTube. La dernière fois que j'ai regardé un truc sur YouTube, ça n'a pas très bien marché. Si jamais ça coupe, dites-le moi. On Attends, t'es à essaiera de bouger combien, sur Rive? Twitch. Là, je suis à 7 secondes. Ah ouais, on a 6 secondes d'avance, donc Oh essayons de putain, se ah taire. d'accord, ok. De pas Ouais. leak. Et à nouveau, j'ai pas mis le son, mais si le son est trop fort, n'hésitez pas à me le dire. Je vais essayer de le régler. Pas forcément le mettre trop fort non plus, parce que pour que vous entendiez encore un peu tout le monde. Ça va être un peu chaud de ce point de vue-là. Putain de merde, Pokémon, j'avais oublié. Je suis déjà mort de rire de la loose framerate dans un trailer. Ah ouais! T'attaques d'entrée! En légende. En légende. J'avais pas du tout Ça pensé au commence avec Pokémon un parce que PEGI 18 et pouf Pokémon, ouais c'est bizarre. je pensais pas qu'il mettrait ça dans un jeu direct. Pour le moment le stream a l'air de tenir. Je regarde aussi, je suis en bonne qualité. En vrai j'ai pas besoin parce que vous êtes en plus basse qualité que ça sur le stream. Je vais m'éviter des potentiels lags. Et peut-être que ça intéresse des gens Pokémon, mais moi pas tant que ça, donc je vais en profiter pour refresh la page. Je m'excuse.
si ça veut bien se lancer. Je vais merci. Voilà. Non, mais en vrai. Il y a toujours des chara design pas... sympas en vrai, cependant. Il était pas si mal ce jeu, mais dans les DLC, je... ouais, bof. DLC de Pokémon. Ouais, c'est mignon. Ouais, c'est juste que je m'en fous un peu. Basiquement. Le gros, il est rigolo. J'aime bien son ami. Il viendrait à ton déménagement ? Lui aussi, bah, je pense, c'est mon ami. Tu penses qu'il me ferait des anniversaires surprises ? Je déteste ça, mais ça partirait d'une bonne intention. Je dois être giga en retard sur vous, mais c'est pas grave. On en est à bienvenue dans mon école. C'est quoi ces Pokémon ? C'est ceux des DLC, je crois qu'on les avait déjà vus. Si je dis pas de bêtises. On avait déjà vu des artworks, mais on les avait pas vus en jeu. Et donc ça, c'est le deuxième. Tu veux essayer de faire des poses furtives pour essayer de me caler à toi ? Éventuellement, mais comme tu veux, là je sais pas si je peux te donner un point de repère, attends. En vrai c'est toi qui devrais plus me donner un point de repère en soi, mais... Attends. Mais y'a rien, c'est quoi ces blocs ? J'en suis à... Libégon, truc, il sort. Libégon, ah, c'est galère, ça va vite, hein. Ah là j'ai Libégon truc, je crois... Non, là maintenant j'ai Libégon truc, pardon. Oh, t'as du retard de ah, fou. Ouais, j'ai du retard de fou en fait. En vrai, arrête-toi 5 secondes et on est bon. Dis-moi quand quand il y a le flash blanc à la fin de fin de trailer. Là. Quand t'as l'arc-en-ciel. C'est bon, tu m'as entendu. Et quand il y a la carapace du légendaire là. Là. Et là, j'ai les trucs, les textes. Ouais, ok, c'est bon, on est pareil. Ok. Oh, ils sont là, tous les deux. Bonjour. Oui, j'ai pas dit dans l'intro, j'ai pas pris de temps, j'ai pas eu le temps de faire un bingo, hein, pardon. Comme on a dit, on arrive un peu en branlos. Allez, on fait le doublage, c'est parti. Vous venez de voir la nouvelle bande-annonce. Mais non, pourquoi tu ferais ça ? Le masque turquoise. Comment c'est déjà par sympathie qu'on te tolère ici, Nalax, donc... Bah super, l'agressivité. Des news sur Smash Bros dans le chat ? Je crois pas des news sur Smash Bros dans le chat, je suis désolé. Il n'y a rien à dire sur Smash Bros. Ouais, à part s'ils font un nouveau pas jeu. Pas annoncer le prochain jeu, mais ce sera pas maintenant. Je suis pas chaud pour un nouveau jeu en fait, ouais. Je sais pas. À moins qu'ils aient un gros concept, mais... La Copain Ball. Mais pourquoi tu te marres de la Copain Ball ? Ça existe depuis 20 ans, la Copain Ball. J'ai envie de t'attraper avec la Copain Ball. Ah, du coup, le nouveau Sonic. C'est ça. C'est sympa qu'ils aient repris le vieux design d'Emmy. J'ai fait très peu de Sonic, donc à nouveau je m'en fiche relativement, mais oui. Putain, il est plein de Knuckles, ah ouais. Oui, il a toujours fait ça, ouais. Non, mais j'ai jamais joué à Sonic quasiment. J'ai joué à un Sonic sur DS, je crois. Et joué au premier Sonic sur téléphone, c'est tout. Ah, plein de Sonic, parce qu'on joue un jeu Sonic. Bah... oui. Tout. C'est le coopération. Non, c'est Chopin. Enfin, la DA est mignonne. Y'a pas Big the Cat, oui, mais y'a pas de mini-jeu pêche non plus, donc... Mais du coup, ça c'est full un nouveau jeu, c'est pas un portage ou quoi ? Non, non, c'est un nouveau. Okay. En vrai, j'ai pas dit non plus, mais si c'est pas du New Super Mario Bros, ce serait chaud pour un nouveau Mario 2D. Hein. S'ils ont un nouveau concept. Ce serait bien qu'ils changent un peu, ouais. Alongside in-game characters and players from all over the world. Build houses, decorate your home plot, grow crops in your garden, and more. Play with other residents in online co-op or carve out your blissful life solo. And if you're eager to explore, there's plenty of life beyond the village. Set off on a vast journey to uncover Palea's many mysteries.
or just kick back and relax at home. How you live is entirely up to you. Et bah ça a l'air incroyable en tout cas. Non, mais ouais, je suis désolé, mais les RPG Farming Sim là, j'en ai un peu marre. Je suis méchant, mais voilà. Il y a un peu que ça tout le temps. Regardez, ouais. C'est Persona le jeu. Persona Chibi, ouais. Ouais, son poupotti. Bon, c'est toi, Mio, explique-nous, Persona. Oh, les bras, ils sont tellement moches. Ouais. Ah, c'est en... D'accord. Je sais plus. Tactical RPG, c'est ça le mot que je cherchais. Fire Emblem. Hein ? Ouais, c'est Fire Emblem, je peux le dire. Oui. Il y avait des tactiques... Arrêtez ! Ça se résume pas, ça ! Non ! Arrêtez ! C'est vrai, le jeu avec les lapins crétins. Non, en vrai, c'est même pas vrai. Ouais. Il y a deux références entre Tactical RPG. Fire Emblem et lapins crétins. XCOM aussi, c'était comme ça. Ah bah Shael a eu la même rêve que moi, du coup. Waouh, je sais ce que je viens de faire offrir à Noël. Les FF Tactics aussi, en effet. Plein d'œil, Ben. Ah ouais. Oh le... C'est quoi de l'aura vert, là? Le ravet. Ça me buterait, ils ont tous des noms, tu sais, le nom de ce perso c'est le ravet. Alors ça aurait de l'intérêt si c'était en VR ce jeu. Même si la DA est pas incroyable, ça pourrait avoir de l'intérêt si c'était en VR. Peut-être. Je peux l'imaginer. Non, j'ai rien dit, il y en a qui feraient des crises d'épilepsie. Ça fait partie de l'expérience VR. Ah, la caméra est très dynamique. Hein. Peut-être un petit peu trop même. Elle aime bouger. Hein. Oh, ce cel shading, mais sans shading. Ah oui, le DLC Splatoon, j'avais oublié. C'est totalement prévu, ça, oui. Ouais. Je suis chaud, ça. Ah oui, par contre, il faut lire. Vous écoutez Anarchy, je sais pas quoi. Ah, c'est... Ah bah non, mais en fait, il y a une annonce de Splatfest. C'est un festival sucré au sucre. Hein, hein? Alors, tu préfères quoi, toi? Les pommes ou les fraises? Nalax, j'ai cru. Attends, que... Mais c'est sérieux? Oh, ah oui, non, mais c'est vraiment ça. Ah, je suis vanille, moi. Tu vanilles fraise, ouais. Tu me vanilles. Est-ce qu'on ferait pas un sondage dans le chat? Vas-y, tu peux faire ça. Vanille, fraise, et troisième. Anime le chat. Comment on fait? Ah, bonne question. Slash pool. Slash pool. Ouais, je crois que ça sent. Ouais, tu peux... T'as pas pris l'écran, ça? Sinon, Shael sait faire. Laisse Shael... Non, je rigole. Non, à moi. Oh, retour Pokémon, tiens. C'est quoi ça? C'est quoi? Pour changer, une nouveauté. Créé au sucre. C'est Détective Pikachu, ça? Putain, c'est Pokémon 6. Oh. Ouais, c'est Détective Pikachu, Rime City, non? Bah, en tout cas, ça a l'air comme ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'est Pokémon Odyssey. Ok. Oh. Putain, sa voix. Je peux pas faire des pièces pour un vote, arrêtez. Bon, c'est mieux que les DLC déjà. On fait un sondage. Est-ce que c'est nouveau ou est-ce que c'est... Parce que je sais plus comment ça fonctionnait, Détective Pikachu. L'affaire, c'est pas qu'il y avait eu que le premier chapitre en dehors du Japon, ils avaient eu une deuxième partie, eux. Ou je dis de la merde. Jamais... Non, mais je demande surtout au chat, je me doute que vous êtes des aignards. Bon, la seule chose que j'ai vu, c'est le film. C'est pour ça. Je rigole. Allez, on vote Clash Vanille, hop là. C'est moi. Ah oui, je viens de la comprendre. C'est fou. Eurépika. Ah ouais.
Le retour de Détective Pikachu. C'est le nom du jeu. Ok. Okay. D'accord, rigolo. Peut-être que le chat me dit que c'est peut-être le vieux, ouais. Ouais, en tout cas, ouais, ils ont l'air d'avoir repris le même moteur que sur 3DS, c'est pour ça que c'est laid. C'est que c'est très moche. Voilà. Alors, oh, c'est quoi ça? Oh! Oh! Non! Mario RPG. Pourquoi? Princess Peach. Remake? Ouais, non. Remake, portage. What the f... Oh. Oh sa mère. Oh sa mère. Elle a changé Peach. Hier soir, je jure, Pandé est pas là pour le confirmer, mais j'en ai parlé à Pandé, j'ai dit, ce serait une dinguerie que plutôt que de ressortir un Paper Mario, il fasse un remake Mario RPG. J'avais dit style Paper Mario, pourquoi pas, pour l'incorporer dans la série, mais le garder à part, je suis giga chaud. Ça m'intéresse, en vrai, ça m'intéresse. Oh la dinguerie. Il est tout petit, pas du tout joué à l'original. Mais ce jeu est mort, pourquoi ils le font revivre? Incroyable. Putain, il y a les décas enchaînés. Il est bien, non? Il est plutôt bien coté, ce jeu, il me semble. Oui, oui, il est très très bien. Il a juste mal vieilli visuellement, etc. Mais il est très très bien. Il y a un perso particulier de ce jeu que les gens voulaient dans Smash, j'ai plus... Gino, ouais. Oui. C'est ça? Oui. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que... les Paper Mario et les Mario et Luigi sont des successeurs spirituels de ce jeu, en fait. Ouais, ouais. Qui a son propre univers, etc., pour le coup. Putain, je suis giga chaud. Les animations, elles ont pas l'air au goût du jour, quoi. Bah oui, après il garde un peu le style d'époque, je pense. Mais après, quand tu regardes le jeu, ce à quoi il ressemblait, c'est... Ouais, c'est... mal vieilli. C'est 3D isométrique, très très basse définition. Voilà. Les textures, c'est des photos en très basse res. Il était jamais sorti en France ? Non plus, oui, si, attends. Non, en France, non, il a pas dû sortir en français, du moins. Il était sur la Virtual Console, je pense, mais pas en français. Et je me demande, ouais, s'ils ajoutent des trucs. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Peach. Bonjour madame, qu'est-ce que vous voulez? Oh, il faut un Super Princess Peach 2 là? Wow. Qu'est-ce qu'il faut? D'accord. Ok. Oh, sérieux? Ah, non. C'est quoi? Un jeu basé sur Peach, je suis preneur. Hein. Ouais. Preneur de tout furieux. Waouh. On peut espérer un Mother 3 du coup, hype. Majora, tu peux toujours espérer. C'est quoi? C'est Ah, c'est Luigi's Mansion 2, ok. Ouais, un portage, ok. Pourquoi pas? Il était sorti que sur 3DS? Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, les portages, moi, ça me saoule. Ok, d'accord, c'est tout ce qu'ils ont à montrer. Les deux sera l'année prochaine, ok. Mais attends, mais les deux, Super Mario RPG, c'est pas pour l'année prochaine? C'est fin d'année, le Mario RPG. Ok, ok, d'accord, j'avais pas fait gaffe. J'ai du mal à tout suivre, merci. Ah. Encore du Arkham? C'est Batman. Je sais pas, je suis pas du tout. Est-ce que c'est encore le même jeu? Est-ce que c'est un nouveau? Non, c'est le même. J'en sais rien. C'est marrant de mettre Batman juste après Mario. Oui. Oh, c'est un peu le même personnage. C'est pour lui le moins de 18. C'est vrai. Par lui, j'entendais Mario. Soon I will command forces beyond your comprehension.
Oui, donc oui, ça a l'air d'être la trilogie, vous avez raison dans le chat. Pourquoi pas? Il y a tout qui crame. Hein. Oh, c'est Batman, quoi. Il a fait boum. Ouais. Automne 2023. Play your cards right, mercenary. Ah ouais. Lead your mercenaries through cursed dungeons in the lands of Gloomhaven. Attends, mais vas-y, je suis trop content pour le Mario RPG, je suis trop content. Non, c'est bien, c'est bien. Adaptation of the hit board game features turn-based card battles with RPG elements. Unleash deadly combos and bring doom upon your foes. But beware, exhaustion close at hand. Choose from 17 different mercenaries. Le son du direct est pas assez fort. Est-ce que le reste du chat me le confirme? Hone your deck. Set up synergies and gain every advantage to survive. Oui. Grit your teeth and earn your keep. When Gloomhaven launches on Nintendo Switch, September 18th. Pas beaucoup, beaucoup, mais voilà. For the mercenaries and gold editions begin today on Nintendo eShop. Keep the dance party going. Oh, oh bah oui, mais j'attendais là. Youpi. C'est celle du grenier, ça. C'était juste un pirate. Non, je te jure que c'est lui. Pour moi, les pirates sont mes amis, je le sais. Ça va presser de me déranger. De la mer. Quarante nouveaux morceaux. Et pourquoi pas ils sont... Pourquoi ils sont pas entiers, en fait, si c'est des morceaux? Oh, oh putain de merde. Oh là là. Oh là là. Ah là là. Attends, je réalise que je vais me faire claim. C'est pas... J'aurais peut-être dû couper le son. C'est pour ça que j'ai fait une blague. C'est pas grave. C'est trop tard. Tu vas juste cut l'annonce de Jason. Ouais, vous raterez pas grand chose. Y'a les Blackpink. C'est un RPG, qu'est-ce que c'est? Ah, y a des gens qui pensaient ah, Golden Sun aussi. Dans le ciel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient de Golden Sun dans le chat, vous savez s'il y avait des leaks là-dessus ou... Non. Parce que je trouve ça chelou... Je trouve ça chelou que tout le monde en parlait à ce point. However, with its ever-changing dungeons and powerful foes, conquering the abyss will be no easy feat. Wield weapons like swords, bows, magic, and more to survive this deadly chasm. After you return to base, materials you've collected will help you cultivate resources and forge new items. Ah, l'élément de ferme. Je l'attendais. Je veux pas trop les bâcher parce que je sais que souvent c'est des indés et tout et qu'ils font ce qu'ils peuvent, hein, mais... Putain de merde, y'a que ça. J'en ai marre. Ils ressemblent tous, j'ai l'impression. Ouais, ouais, c'est... Après, si t'aimes ça, pour le coup, t'en manques pas. Hein. C'est sûr. Y a une niche énorme. Hein. C'est pour des gros chiens. Pardon. Ah ouais. Ah ouais, mais... Non, je parlais. Oui, oui, j'ai bien compris, mais... Ah, non, attends, ah, une ferme, peut-être. Et des... Ah, et des éléments de RPG. Oh. C'est Animal Crossing. Ça ressemble surtout à Fantasy Life. Ah, pas excessivement. Ils ont des petits ailes. Ça s'est fait farm, je crois qu'ils l'avaient déjà. Des ailes. Ils en avaient déjà parlé.
Putain, c'est Terraria en 3D, quoi. Ah ouais? C'est que ça? Ah, c'est le jeu Hot Wheels, non? Ah oui, c'est ça! Il y a un jeu Hot Wheels? Il y a un jeu Hot Wheels! Oh, sympa! Trop bien! En vrai, ça fait très, très jeu de course comme. Enfin, pas complètement cartoon, mais pas complètement réaliste, et on en a plus assez des trucs comme ça. Il y avait pas mal du temps de la N64, la GameCube, tout ça. Je trouve ça fun. Ah, nouvelle voiture. Ça ressemble à Uber. Oui, en vrai. Mais avec des voitures. Est-ce que c'est. Oh, la voiture, elle part, c'est fait piou. Ah, enfin, piou, les voitures, elles partent, piou. Ah, il y a un ovni. Il y a un ovni, c'est carrément. C'est quoi, Fall Guys? En vrai, rigolo, un peu. Oui, ça doit être sympa, ouais. Ah, il y a un deuxième DLC à ça? Enfin, mais ça s'arrête jamais, ça. Ah non, remarque, il est sorti il y a pas si longtemps, si, je sais plus. Je suis rien du tout, c'est une dinguerie. Wow. Ah, c'est moi. J'en doute pas. C'est pas toi, non. Moi, je l'ai cru. Bah, merci. Mais bon, peut-être que c'est moi son vrai ami, quoi. Ouais. Parce que je l'attrape avec la Copa Ball. Avec la Copa Ball. Qu'est-ce que. Ah, c'est du Dragon Quest. C'est dans le style de Dragon Quest, ça. Putain, je suis tellement matrixé que j'ai lu dans chaque retcon du monde. Chaque retcon. Transdision. Oh, what's this? Sympa, du Builders. Oh putain, c'est. Putain, il ressemble à un antagoniste, je crois, qui a inspiré Sephiroth. Ah. Lui là. Mm-hmm. Ah, mais c'est combiner les monstres, what the fuck. C'est Digimon. Si le design de la dame cage là. Maître de la ligue. Oh là là. Ah oui, mais vraiment en fait. Ah, pour de vrai. Il y avait un Ammonita là. Oui, j'ai rien voulu dire, mais bon. Dragon Quest Monsters, ok. Rigolo. Ça a l'air pipou. Ah, Pokémon 3? Comment ça, Pokémon 3? C'est quoi le 1 et le 2? Il y en a pas d'autres? Alors, je sais plus de quel Dragon Quest c'est, mais je vois. Le 2, c'est Digimon. Ah, d'accord. Dragon Quest Monsters 3. 魔族の王子とエルフの旅です。主人公のピサロが魔族の王になるまでにどんな道のりが待ち受けているのか。Putain, le maître des monstres. De poche. Non, pas de poche, cela. Non, c'est mon secours, cela. Il a dit quoi? Ça va être Pikmin? Ouais. Il a dit Végétal, ouais. Pas bien vu. Alors. Et je connais cet Outer Space. As its newest recruit, you'll venture to a mysterious planet with all sorts of life forms. Il est trop mignon. Oui. Le petit éléphant là, ouais. Ouais, ouais, il était incroyable. And the adorable rescue pup, lui, il me fait peur. Lui, il me fait très peur. C'est un canard chien. Prepare the damaged rescue corps spaceship and save any castaways you find. Et si on l'accepte pas? Let's explore together. D'accord. Once plucked, Pikmin are ready for action. Ah oui, mais il m'explique carrément comment marche un Pikmin là. Oh, on a l'air de marcher trop vite, c'est dingue. Ouais, comme dans un Pikmin. J'ai jamais joué à Pikmin. C'est chelou, mais c'est pas mal. Ils ont toujours l'air d'être aussi jeunes, les héros de Pikmin. Il a l'air d'avoir 2 ans, lui. Alors là, si je dis pas de bêtises, du coup, tu personnalises ton perso. Donc c'est peut-être un peu de ça. Après, c'est juste qu'ils sont tout petits en général. Mmh.
collect lots of oh. treasures scattered around the planet to fix the spaceship's radar. And ah bah oui, je peux réparer mon radar avec la Game Boy Advance. Il a chopé la Game Boy. Mon radar. Why not take the plunge underground? Here, a completely different environment awaits. Il y avait des gens qui attendaient ça, ouais, en effet, les trucs souterrains. Putain, c'est Zelda. C'est Zelda, carrément. C'est Zelda. Oh. Oui, c'est ça, Tofu Master, en effet. Je crois que c'est les caves du 2 que les gens voulaient peut-être. Il a ramassé un cadavre, là. Non, c'est une personne... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Olimar, ça? Ok, c'est full Olimar. Hein. Il y a aucune question sur le fait que c'est Olimar. Hein. Pourquoi il a des poils? Il s'adapte à son environnement. Il doit être contrôlé par la faune locale. Qui est pas les Pikmin. Olimar est pas mort. Il devait être mort. Le chien canard là, il nous accompagne tout le jeu. Oh là là. Ouais, c'est un peu le gimmick, manifestement. Je suis désolé pour vous. Ah, tu peux améliorer des trucs. Banger. Les chaussures qui courent vite. Ouais, est-ce qu'on peut marcher encore plus vite? Moi, j'ai envie de cavaler. Hein. J'ai envie de cavaler. Ah oui, du coup, tu peux venir de nuit. Et vous, il va faire mal. En... Sans mourir. Putain. Les chaussures avec des roulets. Pourquoi il est tout nu? Zelda, c'est Minecraft. C'est la lune de Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, de c'est trop mignon. Des Pikmin morts. Le Pikmin fantôme. L'âme de tous les Pikmin que t'as tué dans les trois jeux précédents. Ils reviennent. Oh, ok. Le Genki Pikmin. Ah oui. Genki Pikmin. Many more surprises await in this Banger, ok. Planet. But with the Pikmin and Ochi by your side, no challenge is too big. Oh mais c'est C'est trop mignon. Pikmin. Je veux que le boss final c'est un humain. C'est genre littéralement un mec. En vrai le chat canard est un petit peu de qui avalait. Il sort de ses toilettes et tu le combats. Ils font des versions HD? Ouais. Dans la journée? Ah oui, aujourd'hui, tiens. Ah oui. Hein? Ah ouais, comme ça, là? Ils ont... C'est tout ce qu'ils ont à montrer? Ouais, c'est tout. Ok. Oh, et les modes Pikmin 4 le 29, ok. Ah oui, non, mais il pousse bien Pikmin là. Pikmin. Est-ce qu'ils vont nous parler d'Everybody Went to Switch? Je suis très pressé qu'ils me parlent d'Everybody Went to Switch. Ça arrive là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a du MGS? Eh, c'est les backrooms. Quoi? Non? Hein? Quoi? Il y avait un type en jaune, c'était les backrooms. Ah, d'accord. Hein? 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 Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Sons of Liberty. Oui. Ah, le mangeur de serpents. Je mange trop ton serpent. Laissez-la, laissez-la. J'ai même pas écouté. Putain, il y a tellement de jeux. Mais après, eux, ils sont déjà sortis. Ils doivent déjà être sur. Attends, on dirait presque une licence à succès, genre. Presque. C'est un peu niche, mais quand même, tu vois, ça sonne. Des masterbooks. Aïe. Ok. On va plein de choses. Ah non, non. Ah oui, non, c'est une collection carrément, ok. Ok. D'accord, d'accord, j'ai mal compris. Tomodachi Life Super, les gars. Oh, Castlevania.
Ah non, pas du tout, qu'est-ce que c'est que ça? Vampire survivant. Pas du tout. Vampire survivant. Des random vampires. C'est vrai que Dracula existe, en fait. Non, il n'existe pas, il est dans ta tête. Ah, c'est... Il y a des gens qui se disent c'est un jeu de fou là en vrai. Hein? Faut pas critiquer. Hein. En vrai, ça a l'air intéressant. Ah ouais? Le concept a l'air fou. C'est la même chose que Isaac, tu penses pas la même chose. Mais non, parce qu'en gros, tu maîtrises pas tes attaques, ça attaque en permanence, il faut que tu places tes hitbox pour. Oh la comparaison de fou. Non, mais t'attaques super lentement et tout, tu vois. Ouais, je vois. Ah, mais il joue en multi, le type, ou alors c'est... Déjà, ouais, mais il me semble que j'ai déjà vu ce truc-là, mais... Je m'y étais pas intéressé plus que ça. Il y avait du multi aussi? Ah ouais? Ouais. Et arrêtez, on s'en fout, de... genre... Ah oui, on... La Ligue Splatoon, bonjour. Non, mais c'est dans la Splatoon qu'ils ont stream il y a 2 mois, non? Je pense pas, non? Ça pas dû être avec les annonces sur Splatoon. Mais d'ailleurs, les annonces sur Splatoon, ils ont vraiment pas annoncé le DLC plus que ça? Qu'est-ce qu'ils foutent? Il y a le Splatfest! Pour le coup, je suis vachement étonné. Ça sera peut-être l'annonce de fin. Numéro, c'est un 09. L'annonce de fin à ce point-là, parce qu'il est pour quand le DLC? Vous savez dans le chat ou pas? Enfin, l'extension là, que je sais plus comment elle s'appelle. Je sais même pas si on a le nom. Il a l'air sympa le trophée, je le vole. Cet été? Non. Sympa le trophée, je me demande quel goût il a. Ouais, Splatoon, basiquement pareil, je fais un petit peu que pour l'histoire, au point où on en est. Oh! Ah non, c'est un tournoi, non, mais c'est un tournoi Mario Kart. Hein. Non. Ah, des champs qu'il avait gagné, le chat. Oh, tournoi Mario Kart, marrant. En vrai, marrant. Un corbac. Et non, c'est peut-être un perroquet. Il y avait marqué. Mais tu me. Je te déteste. Oh, un pigeon! Oh, le flot du pigeon! Quoi? Oh. Quoi? C'est... Hein? C'est le meilleur jeu de la décennie. J'ai l'impression qu'on m'a bait là. J'ai l'impression qu'on m'a bait très fort. Comment ça? Oh. En vrai, ça a l'air drôle, mais je sais pas. Oh, regarde, c'est ton ami le pirate. Oh, la dinguerie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le meilleur jeu du siècle. Ah, il me rappelle trop Chicken Run, par contre. Headbanger, Rhythm Royale. Oh, le jeu de fou. C'est drôle, ok. T'as vu, y'a des pingouins? Tais-toi, me parle pas. Qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que c'est? Marrant la blague. Ah, c'est un platformer? Sympatoche. Ça rappelle un petit peu à la limite de Team Time. Des types de Sonic Mania en plus, intéressant en fait. Spyro avec des singes. Comment ça? Quel singe? Oh la gueule. You can also put your speed running skills to the test in time attack mode to unlock special items, complete secret stages and more. This is your big break. Okay. After all, take the stage. Mais pourquoi pas? Big breakaway launches on Nintendo Switch early next year. Non, pourquoi tout court en vrai? Mais pourquoi t'es énervé? J'ai ça a l'air sympa, oh mais La vague. Yo-Yo qui se réveille, ça y est. Oh. C'est la nouvelle. Les toilettes! Mais c'est la dingue, course ça, des toilettes! What? C'est la course à la propreté! Oh, let's go! Ça aurait dû sortir en période. Oh! La plante piranha! On va la mettre vraiment? Merci Let's go! Oh le feu! Y'a Flora. Et Wiggler. Mais Wiggler, je m'en fous, je veux Flora Piranha. Oh, ouais, c'est après, et Kamek aussi! Non mais les trois en même temps là! Waouh! Oh, oh la dinguerie. La dingue. Oh la fouille. Je tiens à préciser un truc cependant. Toujours pas Diddy Kong. Toujours pas Diddy Kong. J'aime Peki Kinou, c'est la meilleure annonce. Ouais. Ça me bute comme ça fait 10 ans qu'on fait oui, la prochaine c'est Diddy Kong.
Ah, ils l'ont blast. Mais j'avoue, il est. Flora Piranha, c'est la meilleure annonce du direct. Ok, ils montent pas les autres circuits ici. Zut, ils les montreront bientôt, je pense. J'ai pas regardé la date non plus. Star Ocean. Mard. J'ai pas vu la date. Je crois que je regarderai après. C'est quoi ça? C'est du HD2D? C'est du oui, clairement le truc de Octopass, ça. Ouais. Ouais, ouais, on dirait un peu du Octopass. Select either Claude or Reyna as your hero and play through the story from their perspective. Ok. You'll also meet over a dozen potential allies. Ah, les car design, ils sont cool. C'est sympatoche. The hero you chose and the decisions you make will have an impact on how you're recruited to your cause. Battles take place in real time and skills can be performed with a single button. What? Ok. C'est pas du tout partout. Non. Stunning enemies with chain attacks. Après, c'est avec des cooldowns quand même, je crois. Ouais. Oui, forcément. Ouais, ok, d'accord. Intéressant, ouais. Oh non. Oh. Oh. Trop bien, j'ai toujours voulu à jouer à... Ah, y a un... ah, c'est un nouveau? Mais on l'avait, on le connaissait déjà. Non? Ah bon? Il avait déjà été annoncé, je crois. WarioWare Move It, il avait déjà été annoncé, je suis bourré. Bah. Ah, super ça. Peut-être pas en vrai. Tant de merde, c'est un... Oh! Amusant. Ouais, sympa. C'est un full motion game. Play with a friend in local co-op. Sync up your actions to beat each micro game. Plus up to 4 players can team up across. For example, this dicey board game is going to keep you on your toes. Get your body moving in over 200 lightning fast. C'est Olimar. Oui, il y a tout et n'importe quoi. Mais c'est drôle. Ok. J'en ai jamais fait, ouais, non plus. Si, attends, j'ai peut-être joué un tout petit peu au premier. Ah ouais. je le dirai toujours, Koizumi, c'est vraiment le meilleur, putain. Ah bah, allez. Mais il y a des gens qui vont se tabasser. Une nouvelle annonce à faire, attends. Zelda. Ah. Oh. Oh, sérieusement? Bon, ça va être les DLC, ok. Non, ils annoncent qu'ils sortent le 2 dans un mois. Mais c'est Breath of the Wild. Ah non, ils remercient juste. Non, je rigole, ils disent des trucs. Amiibo Link. Son visage me rend perplexe. Oh, son visage me rend encore plus perplexe. Oh, oh. Ses pectoraux me rendent perplexe, mais pas pour les mêmes raisons. C'est tout? Dernière annonce, ok. Allez, un petit Tomodachi Life, s'il vous plaît, les gars. Oui, Tomodachi Life en dernière annonce. Oui. Mario. Mario. Oh. Alors, peut-être... 2D. Quoi? Ouais, oh, 2D. Bon, dis donc. Ok. Ah, en façon pâte à modeler. Mais on est où? Ok. Oui. Bonjour. J'achète. Oh, les hippopotames. Oh, j'achète. Oh, les hippopotames. Ok. Ouais. Les Team Cook. Moi, je veux pas que Mario y cook. C'est quoi cette fleur qui parle? Oui, je sais pas. Okay. Attends, voir si c'est juste Mario Bros avec une nouvelle DA ou s'il y a plus. Les musiques elles sont rigolotes. Qu'est-ce que c'est que cette fleur? Il y a une brèche de... C'est la fleur multivers là? Qu'est-ce qu'il fait? Ouh. Hein? Wow. C'est la fleur, elle fait n'importe quoi à l'environnement? Dans le dessous de Super Paper Mario là. Ah oui, au coup, oh la fouille. Mais attends, mais comment ça marche ça? C'est vrai. Hein? Oh, c'est joli. Hein?
Oui. C'est Yoshi ça ou c'est lui transformé? Ah, c'est lui transformé. Mais c'est quoi cette fleur qui arrête pas de parler par contre? Et plus de drapeau. Plus de drapeau. Wonder Seed. Ah et ça rend normal. Ok. Wonder. Juste Wonder. Luigi. Et bah je suis preneur. Il a Princesse Peach. C'est drôle, ok. Toad jaune. Daisy jouable. Wesh. Daisy jouable, what the fuck? Oh non. Banger en vrai. Ouais, je suis très preneur. Pourquoi j'ai l'impression que la fleur avec la bouche ça va être l'antagoniste au final? C'est ce que je voulais, un petit peu d'innovation dans ouais, Mario, ouais. Un nouveau Mario un peu innovant. Ah ça c'était cool. Un Koopaling mais transformé peut-être. Et avec un masque. S'il n'y a pas le retour des Koopaling normaux, merci. S'il vous plaît. Oh c'est quoi cette maison? Qu'est-ce que c'est que ce type? Mais qui es-tu? Mais qu'est-ce que tu es? What? Mais. Ah, c'est 2, 2, 10? Ah ouais! Oh! C'est quoi ça? Oh, Mario Dragon! Non, je suis. Oula, non! Faut... Oh! Ouais, c'est quoi? C'est une dinguerie. Ça fait très. Comment dire? Un peu rêve. Je sais pas comment dire, Alice au pays des merveilles, je sais pas. Enfin, monde de merveilles. Ouais. Un peu Dream Team. Un petit peu j'avais comme. Ça ressemblait un peu au Yoshi Feel là, mais en fait. Oui, aussi, ça. Ouais, au début, ouais, du moins. Ah, mais ça oui, me fait plus penser à. Ouais, je sais pas, le mood de Mario 2 que autre chose en fait. En tout cas, ils se sont bien lâchés sur l'humour. Ouais, c'est cool. Dinguerie. Dinguerie, ok. Je vois un peu que la réalité est tout sympa. Daisy jouable, c'est surprenant. Oui, oui, bah surtout que du coup ça fait 5 persos jouables, est-ce qu'il y a que ça ou est-ce que ça veut dire qu'il y a... Comment ça serait jouable à 5? Non, je vois pas. C'était pas déjà le cas dans le Mario sur Wii, genre c'était deux Toads différents qui pouvaient le jouer avec... Je sais genre... pas. Peach, Mario et l'autre là. Je sais pas. Ok. Ok. Bah, très content, en vrai. Merci. De juste ça ou du direct en général? Bah... Le direct, c'est Mario qui a carry un peu. Hein. Toutes les annonces Mario étaient bien, quoi. Un peu. En vrai, t'as raison. Un peu Z, mais bah après, il y avait jeu... Pikmin, quoi, mais voilà. Je suis très content Pikmin, parce que ça faisait longtemps qu'on attendait un truc Mario. Mm. Avoir une nouvelle direction pour la licence Mario 2D, ça faisait quoi? Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas eu de nouveau truc dans ce sens-là. Peut-être 15 ans. Dans le chat, ils disent presque autant de jeux Mario que de farming RPG, c'est vrai, et du coup, c'est un bon direct. C'est vraiment génial. C'est le bon ratio. Il y a Kikinou qui est en train de péter un câble là. Ah ouais. Flora Piranha, ouais. Flora Piranha. Attends, je regarde un petit peu tout ce qu'il y avait. Il y avait Pokémon au début, Joseph un peu. C'est qui Joseph? Joseph. Plus de Pokémon, Sonic on connaît, machin. Il y avait des trucs. Ça, vous remarquerez aussi le chat que mon stream a pas crash. Une dinguerie. Ouais. Félicitations. Pas que je sache du moins. Bravo. Je vais pas me vanter trop vite. Ça n'arrivera plus jamais. Mes tweets prennent 4. Ouais, je regarde dans les petites annonces. Splatoon, je suis vraiment étonné qu'il n'y avait pas le DLC. Hein. Bah, au final, il n'y avait rien. Ouais, non, il y avait juste oui, la Splatfest. Comme tous les 1 mois et demi, quoi. Détective Pikachu, un triant. Mario RPG. Mon dieu. J'ai voulu mettre une image de Mario RPG et je suis tombé sur la seule frame où c'était tout en blanc. Après, le truc de Peach, j'ai pas compris. C'est vraiment un jeu à part? Oui. Les super princesses oui. Peach. Le jeu... En fait... Il ne sera pas le seul à être la vedette d'un jeu. Ouais, donc c'est un autre jeu. Ah, c'est... Ça okay. A l'air, ouais. Je trouve ça très bizarre le teasing de Peach, genre s'ils avaient rien à dire, c'est bah, étrange. Rien, on n'a même pas de titre de jeu, on a rien, mais moi ça m'intéresse. Parce non que mais pourquoi bien. Pas, ça me hype, moi je suis content. J'aime bien le fait qu'il y ait des jeux qui sont basés sur d'autres personnages que Mario dans Jean-Louis Machin, etc. Et Peach a son propre jeu, c'est cool. Parce que ça fait longtemps qu'elle n'avait pas été exploitée. Ouais. Ouais ouais absolument. Et puis même Super Princess Peach, c'était pas incroyable. Donc, je rêve d'un nouveau jeu sur Bowser aussi. Mais... Ouais. Beaucoup de portages, de trucs. Après, il y avait Pikmin.
Il y avait Oh, je suis devant l'éléphant là. En fait, c'est un éléphant scarabée, Nalax. Un éléphant. C'est. Je... Pas c'est de Pikmin. Ouais, l'éléphant vert là. Parce qu'il y a l'éléphant Mario aussi, attention. Oui, il y a l'éléphant Mario aussi. Il y a même ça, plusieurs éléphants Mario. Il y avait les ennemis éléphants Mario, il y a Mario l'éléphant. Non, Pikmin 4, ça a l'air sympa, mais voilà, je verrai en y jouant. Enfin, je trouve que c'est plus un jeu où tu peux pas trop. Enfin, à moins que tu sois à fond dans le truc et que tu vois un peu toutes les mécaniques et que tu saches les situer, ce qui est pas autant mon cas. Je trouve que c'est plus un jeu où tu peux pas faire des grosses annonces et tout, c'est plus j'y jouerai, je verrai. Le jeu des pigeons, on pense quoi du jeu des pigeons? Mais c'est incroyable ça! Ouais, un petit giga banger, putain, la folie! L'intro était dingue. Je pense qu'en vrai, il a carré le Nintendo Direct. Hein. De ouf. C'était justement un banger. Et puis après, oh, Mario Kart. Mario Kart, du coup, je suis curieux des circuits qu'il y a à part ça. Même si la vague que j'attends, c'est la dernière, parce que je me doute de quel est le dernier circuit, ça leak 30 fois. Ouais. Ouais. Je le dirais pas forcément Attends, là, mais tu si tu veux, on Mario en reparle. Ok. Moi, j'espère qu'ils mettront des circuits de Bowser dans ce DLC pour une fois. Attends, ce serait fun, ouais, en effet. BOTW. TOTK, au final, pas d'annonce au-delà des Amiibo. Ouais, non, étonnamment, il n'y avait rien de ce à quoi je m'attendais, quasiment. Et que des trucs où je me disais, ouais, peut-être pas. Genre Mario 2D où je disais ce serait bien mais ils le feront jamais ou Super Mario RPG pareil. Ah, je suis super content pour le Mario 2D là. Ouais. Bowser 3. Bowser 3. Non mais voilà. Résumé de ce direct, c'est pas mal. Sympa. Je suis toujours pas de Metroid Prime par contre. Hein. 4. Ah, c'est vrai que ça existe. Je commence à douter qu'il existe encore en vrai. Peut-être que je suis giga pessimiste, hein, mais non, mais je veux dire, pour moi, il est en enfer de développement, il est perdu. Hein. Je sais pas. Je pense justement ils arrêtent d'en parler puisque ça avance lentement, ils en parleront que quand il sera quasiment fini. Ils ont dit quoi que ce soit depuis. Après, je dis peut-être une bêtise, mais pour moi, ils ont rien dit depuis qu'ils ont dit qu'ils avaient redémarré le développement. Il y a genre 3-4 ans. S'ils ont dit un truc, auquel cas, my bad, hein, peut-être qu'il existe toujours. Hein. Mais s'ils ont rien dit depuis, ils sont perdus. Hein. Putain, je suis bien chaud là pour aller regarder le trailer oui. De Mario frame par frame, par scène par scène. Pardon, je te réponds, Chael, dans le chat. Oui, en effet, Dread, c'était mort pendant une quinzaine d'années, mais parce que en gros, c'est... Bon, peut-être qu'ils ont fait des essais de début de développement, mais en tout cas, ils l'ont bloqué dans le concept éternellement, quoi. Forme de concept éternellement, et c'est peut-être plus ça que je propose à Metroid Prime 4, tu vois, c'est que ils ont essayé de redémarrer, ça marche pas très bien, et du coup ils le gardent en concept, et peut-être qu'il y a récemment un joueur. Après, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression qu'on a vraiment pas assez de nouvelles. Et du coup, je me demande si le jeu avec la Princess Peach, ça va être un RPG aussi, ou rien à voir, je sais pas. Bah, ça avait l'air d'être du... Enfin, pas du side-scroller, mais genre... Ouais, de vue de côté, avec un poil de profondeur, mais pas trop. C'est bizarre. Ouais, non, je regarde un peu le gameplay qu'on a, mais c'est... Pas d'infos. Et après, je sais pas, sa robe devient blanche. Non, je crois qu'elle devient sombre. Ouais, c'est censé nous utiliser une transformation de fou, je crois. Ouais. Je sais pas ce que ça va être, mais... Dans le chat, ils disent elle devient harmonie. Non, je ne pense pas, mais. C'est le moment finalement où la théorie devient réalité. Après tout, c'est Koizumi qui était en train de commenter le trailer. Tout est possible. Par contre, du coup, ouais, ils gardent le sigle Super Mario Bros. Donc. Oui, bah oui. Est-ce oui, mais pas New Super Mario Bros. Oui, c'est vrai. Non, par contre, ça veut dire qu'on s'est enfin débarrassé de New Super Mario Bros. Putain de merde. Non, parce que mon questionnement, c'était est-ce que c'est censé être un jeu individuel ou est-ce qu'ils veulent relancer une nouvelle licence sur ces concepts? Je sais pas. Je sais pas. Pour le moment, ça a l'air plus d'être un truc individuel. Après, ils peuvent toujours t'accrocher un autre sous-titre derrière pour en faire un deuxième ou je sais pas quoi. Quoi. Mais... Koizumi a l'air complètement éteint. Il va bien, vous êtes sûr? Tu trouves?
Là évidemment, sur mon freeze frame, il a l'air éteint parce qu'il a, il est en train de cligner des yeux. Mais mais voilà. Il se dandinait tout à l'heure, écoute, il allait bien. Dans le chat, ils disent Daisy jouable, c'est un W aussi, c'est très vrai. Dans le chat, plutôt, ils disaient s'il vous plaît, Waluigi aussi. Le truc qu'il va falloir comprendre avec Waluigi dans les jeux principaux, c'est que il va falloir une révolution pour qu'il y ait Waluigi un jour. Waluigi, ils ont toujours évité de le mettre dans les jeux principaux. Le mieux qu'on ait eu, c'est le costume de Waluigi déjà, dans Odyssey. Wario, quoi. Avant Waluigi. Wario, ça arrive. Wario, par exemple, il était jouable dans Mario 64 DS. Mario 64 DS, qui est toujours un jeu aussi un nom de jeu aussi stupide, mais oui. Vivement les 12 prochains jeux Mario 2D avec le moteur de jeu Mario Wonder. Ouais, j'espère pas non plus. Un autre derrière, si vraiment le concept est sympa, je dis pas non, mais trop c'est trop. Juste à 12, oh. Ouais, j'espère que peut-être la formule des mondes va un peu changer, peut-être un peu de... Aussi, soir, peut-être. Peut-être des boss un peu inédits, parce que les Koopalings 48 fois, c'est relou. Ouais, bah là on voyait une espèce de truc qui ressemblait à un Koopaling, mais qui avait l'air d'être transformé. En fait, moi, ce que j'aimerais bien, surtout pour Mario, c'est un renouvellement de l'univers, quoi, des nouveaux personnages, des trucs comme ça. Là. C'est oui, c'est sûr. Ouais. Le cas, malheureusement. Il y a des nouvelles créatures, mais de nouveaux personnages, j'ai pas l'impression trop. Mais c'est ça que j'aimerais voir. Je sais pas si vraiment. Je vais retrouver le truc qui ressemblait à un Koopaling. Ça, c'est un espèce de... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un écureuil Yoshi, là, c'est bizarre. Écureuil à carapace. Attends, mais non, il a pas la queue de Tanuki, donc non, c'est pas lui qui file les queues de Tanuki. Ils sont mignons, les Goombas qui rompichent. Oui, et on va tous les tuer sans qu'ils s'en rendent compte. Non. Attends, j'avais pas fait gaffe aussi, mais les musiques en fond sur ce jeu sont sympas, c'est la vieille musique, mais réorchestrée. Non mais voilà. Wonderful. Et écoutez, c'était bien sympa. Oui. Ah oui, c'était ça. Merde. Je retrouverai jamais le moment avec le Koopaling de mon côté. Ah. Je l'ai, moi. C'est lui. Si tu regardes mon stream. C'est une minute combien par rapport à tout à l'heure, tu sais quoi. Je sais pas, je suis à moins 4 minutes 30 de la fin du stream, mais je suis encore sur le stream, ouais. Ok. Et du coup, ça ressemble à Koopaling ou pas? Un peu, oui. Mais ça ressemble un peu à Bowser en même temps. C'est, il a une carapace à pointe. C'est Bowser Junior, en fait. Ah ouais? En fait, c'est Bowser Junior. Hmm. J'ai l'impression. Parce que en fait, ça c'est son masque avec la bouche. Et ça devient une vraie bouche. Je me demande... Ouais, vous avez l'air d'accord dans le chat. En effet. Ouais. Ah, c'est okay. Fou. Mais d'un autre côté, c'est un Bowser Junior qui a déjà des couleurs cheloues de base. Donc je sais pas quoi en penser. N'y pense pas trop. À voir. Non mais voilà, ouais. Bon. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter? Non, bah... Non. Tomodachi Life. Bah écoutez, on va peut-être s'arrêter là pour le Tomodachi Life, ouais. Est-ce que mais tu veux pas qu'il fasse un Tomodachi Life 2 plutôt? Oui, non, mais oui, d'accord, un 2, ou à la limite. Ouais, parce que porter le premier, je les vois pas faire ça, tu vois. Oui, non, j'ai mais il y a tellement de choses à améliorer dans le premier. Ouais. Oui. Notamment le fait qu'il n'y ait que des relations. Ah oui. Ouais. Oui. On a essayé de te censurer, mais c'est bon. Oui, on a... on a compris ce que tu disais. Non, mais voilà. Mais écoutez, alors attends, le stream du coup, j'arrête pas le stream là, je vais continuer, on va, je vais jouer à TOTK juste après là, donc je vais simplement vous mettre en pause, peut-être pause un peu plus longue que la normale, mais voilà, j'arrive dans 10 minutes, et voilà, est-ce que j'avais autre chose à dire avant ça, à vous? Et oui, et non, et avant TOTK, je remercierai tout le monde pour les abonnements, etc., j'ai pas oublié. Voilà, et puis après, les amis, je vous remercie d'avoir été là. Je voulais vous. C'était vous, mes amis. C'est un plaisir. Ah bah oui, de rien. Ah oui. Nous sommes, ah, oui. Quand tu veux,
Et les gens n'hésitaient pas à jouer à Waven, c'est un très bon jeu vidéo. Ah ouais. Ah, c'est calé. Alors voilà. Donc, les gens jouaient à Limbus Company, c'est un très bon jeu. Ok, ouais. Quelqu'un a une autre pub à faire? Jouer à être heureux, c'est important. Ah, ça c'est bah, bien du ça. Du coup, faut pas jouer en fait, faut le vivre. Arrête ouais. de dire des bêtises, wow. C'est pas dans Allez. Les jeux vidéo, la vraie vie. Hein. Bon, bah, du coup, je mets tout en pause. Des bisous et puis à tout de suite pour le chat. Hey, ciao ciao.